Siège gaming. D'ailleurs, je vais recevoir bientôt un nouveau siège, ça va être swag. T'as les sièges gaming, tu vois. On va se mettre en plein écran. Tu vois, t'es confortable, t'es bien posé. Pourquoi il n'existe pas des sièges gaming mais tablette où t'es allongé et tu as deux trucs comme ça qui tiennent ta tablette, tu as les mains bien tenues, puis t'as juste à faire tic 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 comme ça. Et t'es allongé en même temps parce que tu vois, si t'as Team Fit, tu peux te taper une sieste, t'es tranquille. Ils devraient inventer ça, je suis sûr qu'il y a un concept, il y a du pognon à se faire, les gars. Alors, on va lancer ce jeu. Il est en train d'update Steam, évidemment. Bon, ça va pas être du sondage, hein, ça va être suivant les jeux que j'ai. Après, on aura peut-être une période de jeu. Le but sur les soirées indées, à moins qu'il y ait un jeu sur lequel on accroche à mort, c'est de parcourir les jeux pour vous les faire découvrir aussi. Hop. Et le jeu s'appelle Earlier! Test à Garigo, vous êtes les pires. Pardon. Roller Coaster, ce sera demain. Je crois que j'ai mis ça hein, dans le planning. Je me suis pas trompé pour une fois. Oh la chance, tu parles de mon super siège. Et oui, j'ai vendu mon corps pour avoir ce nouveau siège. Mais c'est dommage, j'aurais dû y aller, Ika. Ouais, après, enfin, après, faut vouloir hein, quand même. Ah oui! Ah oui! Ah, c'est bon. Alors, par contre, je peux pas régler le son pour l'instant. Donc, c'est pas grave, ça vous pique les oreilles et vous voyez rien non plus à l'écran. Je vous mets ça à l'écran parce que c'est dommage si vous voyez pas. Oh, mais hé, hey, on va relancer le jeu rien que pour avoir le Sega. Celui de sauvegarde automatique. Ne pas éteindre votre ordinateur lorsque cette image a fait. Ce jeu se joue super bien à la manette. N'hésite pas à la brancher. Bah écoute, ça tombe bien, j'en ai une. Alors, malheureusement, ce n'est pas une manette de Mega Drive. Et j'en suis bien troublé parce que j'aurais bien aimé brancher une manette de Mega Drive. Avez-vous un clavier QWERTY? Sinon, option. Hell yeah! Alors je vais régler le son, je t'appelle. Ah, ça m'a l'air bien sympa. La fureur du lapin mort. Appuie sur entrée. Non, je vais pas appuyer sur entrée. Oh, vibration, oui, avec. C'est pas ça que je veux. Où est-ce qu'on règle l'audio? On peut pas régler l'audio, alors ça par contre ça non. Moi je dis non. Sauter space. Ok, on va. Alors, il va falloir que je règle le son autrement, c'est toujours un peu chiant. Hop. Alors normalement ça devrait être bon niveau son, vous allez me dire. C'est bien ce jeu de merde, bah écoute, on va voir, hein. Alors, est-ce que le son, à votre avis, est bon, vous allez me dire après cette cinématique? Je pense qu'il est trop fort encore. J'adore les dialogues. Qu'est-ce que c'est que ce délire? What the fuck, c'est quoi ce début? Payback. C'est à peine trop fort, je pense. Je pense de pas grand-chose, hein, si je dis pas de bêtises. On va descendre. De quasiment rien. Voilà. Ouais, je pense. Hein. Je le vois par rapport aux courbes. Ça devait être à peine trop fort. Ça a l'air swag ce jeu. Faut éviter les combats pour l'instant. Putain, ouais, ça, un jeu plateforme tout simplement. C'est Meumeux qui m'a recommandé ça, je crois. Ah, j'ai pris un coup! De l'aide serait la bienvenue. Alors, faut qu'on trouve des amis. Pour l'instant, on prend des points. Ça a l'air d'être des méchants. Ah, boudou boudou boudou!
Nestor! Salut Nestor! Vous avez complètement dégrisé. Un test de sobriété! RB pour le zoom. Ok. Oh, ok, on peut. Ah, c'est pas mal ça. C'est cheaté en fait. Oh, il y a des cristaux. Ah, oh, je peux pas casser pour l'instant. Moi non plus. On va descendre. C'est pété, ça met en pause. Oh, de la flotte. Comment il peut avoir de la flotte en enfer? Oh! C'est des culs ça? Et oui, on aime bien les culs chez nous. Ça fait un prout. Le prince est à poil! Hein quoi, pardon, qui ose? Tu veux pas te toucher, je suis derrière un mur. Les murs, ça se casse comme ta gueule d'ailleurs. Et il a l'air bien ce jeu! Moi, il me plaît. Je vais revenir. Mais oui, je vais revenir te casser le cul, mec. Si vous pouvez dégoter une sorte de foreuse. On va chercher une foreuse, frérot. Mais là, attends, il y a des plantes qui me jettent des trucs chelous. La maniabilité est pas des plus simples. Il n'y a pas de retour de force, entre guillemets, sur les... Alors... Qui avait une passion pour les jetpacks tranchants. Défoncer des monstres, j'adore ça. Ah oui, des jetpacks. Alors, avec RT... RT, cité tri. C'est quoi RT déjà? RT, c'est là. Plus... Jetpack adblock, ok. What the fuck? What the fuck? C'est quoi ce jeu? Allez, on les défonce tous! Tu veux quoi, toi? Quel est le problème? Eh, c'est un jeu pour futur. Ah oui, on va pouvoir casser le cul de l'autre. Ah d'ailleurs, je suis passé sur un cul. Où il fait? Ah putain. C'est quoi ce jeu, merde? Où il fait? Ah putain. Ah, c'est dégueulasse. Oh merde. Ah, j'ai un monstre Odex. Ok, j'ai mes monstres qui sont ajoutés. Ah, ça me plaît si on a un jetpack de l'enfer. Attendez, il y en a un là-haut, je l'avais vu. Ah, ça par contre, faut que je fasse gaffe. Merci Lidu 69. Non, Lidu 62 pour la Aston Martin, merci à toi. LDPLG, j'avais pas eu tout à l'heure. Bah ouais, en pensant à la conf, la population française, c'est environ 70 millions de pélos. Je dis pas, ouais, je sais, il y a encore. Il est pas exactement à ce niveau-là, mais. Bimo Blaster On. What the fuck? What the fuck? Oh merde! C'est quoi ce jeu? La drogue! Allez, 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 allez! Gentlemen, start your engine! Oh, olé, olé! Olé! Brom, brom! Eh, me, bel jeu ever! T'avais bien raison, je crois qu'on va faire notre soirée là-dessus, les gars! Cool, j'ai dégagé la voie à ces bonnes vieilles portes de l'enfer qui sont risques d'âme. Je crois que je les aime bien. Bien d'accord avec toi. Oh, il y a encore bleu, 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 bleu. Il y a Nestor qui est là.
là que je vais aller. Alors là, on vient d'où on était. Ok, la fonction radar, qu'est-ce que c'est? Celle de boule. Tu sais, il y a plein de références, hein, elles sont sympas. Tous les monts, c'est très pratique, monsieur. Ah, j'ai une map. Ok, apparemment, il y a un monstre juste au-dessus. Ouais, il est là. Mais en fait, au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, ça va. Je ne dois pas toucher les lapins, l'électricité font pas bon ménage. Je vais l'éviter pour le moment, je reviendrai. Des ennemis balèzes, le shopping est la solution. Mais depuis quand le shopping est la solution aux ennemis balèzes? Ça, ça a l'air des trucs de Sonic. Miss Fontaine. Je coulerai toujours pour vous, mon prince. Non, bon, c'est pas grave. On descend, je vais passer par là. Fait de la thune. Brom. C'est difficile en fait parfois de sauter sur la linéarité des choses, c'est un peu bizarre. Des fois on grimpe au mur. Des fois non. J'ai mal à comprendre ça. Merci Mentor, mais c'est quoi ce jeu encore? Y'a que toi pour trouver ce genre de jeu. Ben non, tu vois, c'est même pas moi, c'est mes abos. C'est mes fidèles viewers. C'est Meumeux en l'occurrence qui m'en a parlé, mais il y a longtemps en plus, hein. Et à chaque fois il me disait, quand est-ce que tu le testes? Quand est-ce que tu testes? Alors je l'avais pris direct. Alors là je suis en... Ok, faut pas que je touche ça. De temps en temps ça part super haut, de temps en temps... Oh, des culs. Mais je voudrais aller voir... Ah, mais ça me heal, ça! C'est bon, ça! Oh, y'a une petite infirmière sexy! Wow, what the fuck! Impossible de forer. Bye bye! Ok, on repasse par là. Merci à Rockmox, ce jeu, ça ne serait pas l'effet de la drogue dure du Vietnam Simulator 2016, ouais. J'en ai jamais entendu parler, mec, ce genre de jeu, t'es obligé d'en entendre parler normalement. Let's grind. J'adore les petites musiques en plus. Bon, on a cassé le cul à une personne de plus. Ah bah non, c'est méchant. Moi bébé. On peut pas passer ici. Merci Fen. Non mais on en parle de jeu, celui qui a fait ça c'est un génie. Ouais, mais surtout le... Mais le pire c'est que j'ai l'impression que c'est Sega, hein, l'éditeur. Je vais me renseigner juste après quand on fera la pause. Parce qu'au début on avait eu un magnifique Sega. Et qu'on aura d'ailleurs... Tout à l'heure ça me manque trop les Sega. Oh. C'est la boutique. Ok, alors. X pour claquer ton fric. Là, on peut avoir des missiles. Tu sais qu'il y a des trucs de look. Là, ça s'est verrouillé. Tête dans le cul. C'est ça, cette fille qui a plein de looks verrouillés. Mais what the fuck? On va s'acheter quel look, les gars? La musique est bonne en plus. Ouais.
Alors nouveau plus RT. C'est pété. Kiss my ass. Ça va être possible. Oh merde. Kiss my ass. What the fuck? La hache, c'est quoi la hache? Bon, c'est pas grave, on l'a buté. Ok, du coup, ça s'est ouvert. J'espère qu'on ait besoin de passer par là. Je pense. Ah, si, il fallait y passer. Kiss my eyes. Allez, parfait ce jeu. Merci, Meme. C'est une grande découverte, hein. Par là. Mais il y avait un autre passage, c'est pas grave, on va pas. Il y avait juste un autre passage là. C'est bien que j'avais bien fait de passer par là. J'utilise la force, mais de loin. Ah oui, on va utiliser un petit missile. Quelle est la durée de vie moyenne d'un lapin mort? 2 ans. La réponse D, la réponse D. Oh non, c'est what the fuck. Non. Non, c'est la réponse D, mec. Quiz of Doom. C'est what the fuck. Ouais, ça a l'air d'être ça. Mais c'est le jeu qu'on attendait toujours. Mais en plus, au-delà de ça, il est pas dégueulasse. La maniabilité est pas mal. Il faut juste s'habituer un peu parce qu'il n'y a pas de... En fait, c'est vraiment directionnel. T'as pas des... Normalement, t'as des retours de force quand tu fais gauche-droite, tu vois. T'as de la... Je sais plus comment on appelle ça, le mot. Alors que là, ça chante directement. Donc, faut s'habituer un tout petit peu à ça. Mais graphiquement, il est pas dégueulasse. Et on va soigner. X pour entrer. Eh mais Meme, c'est encore des jeux à me conseiller, n'hésite pas. Ouh, c'est le boss, chaud patate. Il est chaud patate. Putain, en plus, c'est jeu de mots. Mais il a été fait par un français, c'est pas possible. Pour que ce soit aussi bien en traduction, ou alors ils ont chopé un traducteur de malade. Je suis stagiaire. Merci Lidu62, c'est Sega qui a édité le jeu, il est trop what the fuck. Mais oui, il est parfait. J'ai limite envie de me mettre sur ma chaîne principale, ça. Oui, les photos. Les photos avec le canard. Pas aller sur lui. Putain, mais il a de la vie, ce connard. C'est un peu le même pattern, ça va. Ah! On passe au level suivant!
Il est où le boss? Ah, il est de l'autre côté. Okay, on peut se protéger derrière, en dessous des trucs. T'es où, boss? Ouh, je fais pas de dégâts. Ah, il sort. De l'autre côté, s'il est là. J'ai fait quelques dégâts. Ah ouais, non, mais j'aurais pas dû faire ça. Par contre, j'ai bientôt plus de vie. Ok, là, on a fait des dégâts, on se casse. Ok, ça va, il prend ses dégâts. Non mais c'est ici que je veux viser. Il va revenir. Bonjour gros monstre. Si j'y suis. Ah, ça y est, on l'a pété. Merci DPLG6, c'est français, les stagiaires ont une spécialité ici. Là, tu fais un wizard, t'avais dit. Pas de Minecraft, c'est un wizard ça. Mon plan marche comme sur des roulettes pour l'instant. C'est qui ces âmes? C'est l'heure du saut dans l'inconnu. Déjà, on va se healer. Tant d'infirmières sexy! Non, là, je reviens là. C'est de l'autre côté, ça s'est ouvert ou pas? Ouais! Oh! Niveau suivant! Ok, pour l'instant, on peut pas passer ça. Blablabla. Alors, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Ok, on peut avoir deux armes. Ah, pas mal. Oh, y'a des putains de plateformes, c'est comme sur Sonic. Je pense à lire les messages pendant les chargements, ils sont trop drôles. Ok. Ah oui! On se fait one shot par ces conneries. Un nouveau flingue, mais oui, je vais l'essayer, mais... D'abord, on essaye de passer de plateforme en plateforme. Il est swag, ce nouveau flingue. Il me fait penser à un jeu que j'avais fait il y a longtemps. Ah ouais, d'accord. Putain, c'est violent là. Là, c'est plus difficile. Par ici, non. En fait, on peut tout sauter. Ok, là pour l'instant on peut pas, le monstre a l'air d'être dessus. What the fuck, c'est quoi ces trucs qui tombent?
on peut le défoncer comme ça en fait. Non, me tue pas. Honey, I'm home. Maintenez A pour le show. Non. T'as pas le droit, mec. Honey, I'm home. What the fuck? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Attends, maintenez A pour pécho. Mais comment tu pécho? Ah, faut pécho au bon moment. Quand le mec y est pas. Ça commence à devenir un peu plus difficile. Je vais essayer d'éviter ça, mais les... maniabilité est vraiment pas simple. Je comprends jamais pourquoi des fois on monte à certaines hauteurs et des fois non. Et là je pense que je peux juste faire ça. Voilà. Non mais j'ai fait pas de dégâts. Fallait pas qu'il me regarde. What the fuck. Même c'est pire que South Park. Rabbit. Nice, on a open ça. Ça. Il me faut un heal. Parfait. Pum, 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 pum. Il y avait un télé-shopping quelque part. Il me faut le télé-shopping. Ah, on doit lui offrir un cadeau. Qu'est-ce qu'on va t'offrir, frérot? Happy birthday! J'ai trouvé ta petite peluche. Merci Anderion. En fait, ton jetpack n'est pas limité. Tu peux voler pendant un certain temps, puis tu retombes. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est difficile à manier, en fait. Alors, on a ouvert la porte qui était tout là-bas. Ça bon pour le cash. C'est vrai que je peux pas les défoncer. Ah ouais. Ah, y'a re du pognon là. Il réapparaît le pognon. Comment ça se passe? Ah. D'accord, je pensais pas que je serais one shot par ça. Pognon, c'est gratuit. En tout cas, la BO est vraiment sympa. Alors là, on tombe pas par là. Il me fait peur ce truc. Ouais, bingo. Je peux pas forer ça pour ça. Wow!
Pourquoi on a un chien? Eh, c'est fait par des japonais, ce jeu. Hein. Pourquoi on a un chien qui danse? Enfin, il, quelque part. Aïe. Attendez, il y a le lapin. Il me fait peur, le lapin dansant. Qu'est-ce que ça va être? Ah, you can! Fuck. Mais il est pas débile ce jeu, il est magnifique! C'est pas grave, on est partiel. Vous venez de débloquer un truc super cool, la vie. Vite voir. Tu peux désormais visiter Earlier. C'est Island! Ah, trop bien! Fais-les pour travailler pour toi, ils vont adorer. De l'argent, l'objet rare pour toi. Gère ta propre usine à trésor. Oh! Allez, on va sur l'île, les gars! J'ai pas eu le temps de lire, le conseil passe super utile. Ah bah, on va les faire bosser! Entrons dans l'île. Alors, Y ou X, donner du travail. La vie, ça donne de la vie, Ah, je peux pas aller plus loin. On va faire 5 et 5. Ah, je peux pas faire sur les autres, c'est désactivé. Sale monstrice, joli monstre mignon. Global. Ah, mais si! Remplis la jauge de vie dans le jeu. Ok. Je conseille de up le labo. Ah mais je peux pas aller dans le labo. Comment on fait pour upper le labo? Sans, j'ai que deux trucs pour donner pour l'instant. Ok, c'est juste du décor. Attendez, on va aller voir la mine. Pas mal de monstres qui bossent à la mine. Mais oui, regardez. Allez, allez. On va chercher du pognon, les gars. Non mais oh. Alors, en fait, je peux pas en mettre un partout. En gros, tu vois, même si je descends, je peux pas sélectionner à droite. Je peux sélectionner que les deux de droite. Ils sont bloqués, les autres, pour l'instant. Je pense qu'ils se débloquent au fur et à mesure. Back. Et sur ces bonnes paroles, les amis, on va faire une petite pause. On se retrouve juste après pour continuer notre quête de monstres légendaires. Non, j'ai diminué les autres choses, je me meurs, regarde. Tu vois, si je mets 0-0, tu vois, je peux pas. Et je peux pas rentrer dans le labo. Tu vois, donc... Pour l'instant, on va rester que sur ça, 5-5.
Allez, à tout de suite les amis, petite pause. Et on va changer, tiens, setting. Dans la VOD, ça va me dire, oui, mais c'était quoi le jeu, machin? Earlier. Alors, attendez, il faut que je remette le son. Bon, bah, on est de retour. Brom, 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 brom. C'est pas ouvert. Oh, ok, il y a un monstre en bas, un monstre au-dessus. Je peux pas casser ça pour l'instant. Ok, on va essayer d'aller au-dessus parce que je crois que c'est au-dessus. Ouais, c'est cette porte-là qu'on a libérée. Zone D. Je suis pas fan de ça là. What the fuck? Il a perdu en vie ou pas? Forage impossible sur ennemi en métal. Ok, sans problème. J'arrive pas à en sortir. Alors attendez, faut que je ressorte au bon moment. Okay. C'était long. Après, est-ce que je lui fais vraiment des dégâts? J'ai pas vu. Insert coin. Yeah! J'insère les bocoins. Bah rect par l... Comment ça s'appelle? C'est Lapin Invader. C'est trop cool les références. Et c'est un jeu de 2012, j'ai regardé. Incroyable. C'est un jeu de 2012. J'ai pas compris. Enfin, j'en ai jamais entendu parler. Et c'est marrant parce que pourtant il est swag quoi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça c'était difficile à faire en fait, par rapport au contrôle. On a accès à quoi? C'était juste pour un heal ça? Genre vraiment? C'était juste pour ça. Je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux. On peut pas casser des culs. La carte on l'a ici, d'accord. Ah, y a un monstre par ici. Ok, on n'est pas passé tout à l'heure. Le voici. Ok, donc faut tirer au bon moment les missiles. Hein, comme ça. Ouais, déjà, faut pas faire ça. C'est pas ouf. Prenons les pognons. Apparemment, faut que je vise par au-dessus. Merde. Pas ça que je voulais faire. Attends, putain. Si je crois bien que ce qu'il faut que je fasse... Eh, c'est impossible. Ou alors... Non, je peux pas rentrer. On veut pas rentrer sur lui, là je suis coincé. Hein. Putain, c'est super chaud. Merde. C'est ça que je voulais faire. En fait, si vous voulez, la visée. Comment vous dire? La visée des missiles c'est avec le joystick droit. Et les déplacements c'est avec le joystick de gauche. Donc il faut jouer avec les deux joysticks. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment pas l'habitude.
Pareil, quand on est coincé là-dedans, par contre, ça bug, ouais. On peut pas en sortir. On va essayer de faire ça bien. Bam, 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 bam. Pognon. Ok. Amputer ce connard. Je vois pas comment le faire. Genre vraiment. T'as une idée de comment... Putain ce connard. Parce que là, j'ai du mal à voir comment faire. Ah, je l'ai touché. Faut deux missiles, à peu près. Ok. J'ai tiré trop tard. J'ai tiré à côté. Timing. Ah. Ah. Sneak pour pas tomber de la plateforme. Il y a un sneak? Mais non, il n'y a pas de sneak. Apparemment au clavier c'est plus simple. Mais oui, ça doit être plus simple en fait. Ah bah ouais, carrément. Pourquoi je m'emmerde à la manette? Ils disent que c'est plus simple à la manette. Ok. Mais non, mais c'est 10 fois plus simple au clavier! Ok, alors attendez, on a ouvert les portes en bas. Ah mais non, mais je vais jouer au clavier, les gars. C'est ça que je voulais faire. J'espère que ça l'a bien buté, ceci. Ah ouais, non, la manette, ça... Là, pour le coup, c'était vraiment trop dur, la manette. On va revenir en arrière, normalement ça nous a ouvert la porte tout en bas. Yes! Bonjour, un peu de heal s'il vous plaît. Attendez, on a oublié un cristal là-haut. Voilà, merci. Ça fait beaucoup de pognon tout ça. Y'a Nestor ou pas? Parce qu'on entend... Mais oui, Nestor! Regarde, l'action se déroule sa carte avec Tab. Ouais, bah je sais. Je connaissais déjà cette astuce, merci Nestor. Pas qu'alarme. Beamo Blaster! Explosion! Banco. Cette musique, elle me fait penser un peu à la musique de Firewatch. Celle-là, là. Quand les missiles sortent des trucs... What? Ah ouais, d'accord. Alors, quand les missiles sortent de l'écran, ils sont plus effectifs. Alors, c'était triste, quand même.
mec il est mort là. Poum, poum, poum. Ouais, je l'ai vu la petite pince là. Ah ah. C'est bon. Ok. Ouh, il a l'air méchant celui-là. What the fuck. Je sais pas que c'est là qu'il faut que j'aille, mais... Elle est là. Il y a peut-être une boutique, j'aimerais bien trouver une boutique. Putain, mais what the fuck, qu'est-ce que ça? Vous savez quoi, on va retourner faire le boss d'en dessous là. Ce qu'on l'a pas fait, il était juste à côté. Mais on peut pas y passer. What the fuck? Moi j'ai un camion. C'est stupide, putain. Spécial delivery. Voilà, c'est un mec. Ah, on les active en fait. Je comprends mieux. Sur 17 pour après. Il y a des grosses mains de robots là, ça me plaît pas trop. Baby! Petit jambon. Ah, il y a une boutique pas loin. Où est la boutique? J'ai du pognon! Ah. Bah ouais, on a pas tant de pognon que ça. Ok. What? Ravitaillement de grenades. Encore des grenades. On a des looks à la con. Ah, c'est pas mal aussi. Ok, c'est pas grave, on est sorti. Ok, alors j'ai 4 grenades. Squeezie. Exquis. Ben voilà, on l'a squeezé.
16 sur 17. Ah merde. Où est-ce qu'on va apparaître? Normalement on est bien à 16 sur 17 où on a déjà les méga balles. C'est ici qu'on doit pousser le gros monstre. Ouais, faut viser sa tronche de cake. Shark bait, lancer le requin. Comment on fait? Comment je fais pour lancer le requin? J'ai pas vu quelle touche c'était. Shark bait. Ah, c'est ça. Non, c'est. Mais non, mais sans putain de QWERTY, je fais comment? Je sais pas quelle toucher. On peut pas cliquer dessus. C'est quoi? On va prendre. On va prendre la manette deux secondes. Juste pour qu'on ait les touches sur la manette, parce que je sais pas quelle touche utiliser sur le clavier. Ah ouais, d'accord. Toujours pas mort malgré ça. Allez, crève mec. Ne veux pas mourir. Voilà. Mais pourquoi? Ah, la manette a vibré hein. On m'a rect par by pepperoni. Ah c'est juste à côté la porte. Du pognon par là, là. Ah mais non, tout à l'heure on y était là. Là. Il n'y a pas de pognon. Conseil pas super utile. Un monstre capturé 17, il y en a masse. Hein. Ouais, les autres, je sais pas. Donc on finira pas le jeu ce soir, les amis. C'est pas grave, on se le gardera pour des prochaines fois. On va devoir jusqu'au bout. Baloubid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 o
vilaine, elle a l'air vilaine. Je veux trop un kebab. Du cochonou. Il y a des flammes par terre. Objectif, griller la brebis. Ok. On va essayer de faire ça. Ok, on sait qu'il faut pas aller là-dedans. Mais il faut faire passer ça sur la brebis, je pense. Ouais. On aurait plus beaucoup de vie. Non mais c'est pas ça que je veux faire, pourquoi il double saute? Parce que je maintiens l'espace enfoncé. Ah merde. Faut que je saute autour. Putain, et c'est pas si simple que ça. Alors là pour le coup, sur ces phases là, je trouve que c'est plus simple avec une manette. C'est pas ça que je voulais faire. Ah mais non, merci à des PLG. La speedrunner est née. Effectivement, c'est un truc pour du speedrunner. Bon là ça devient un peu plus dur le jeu qu'au tout début. J'ai plus beaucoup de vie, c'est le seul problème. Je sais pas comment on fait d'ailleurs pour remonter en vie. Je suis un peu bas. Parce que là ça va être un peu court avec... Ah, il y avait un heal là-haut. On va remonter. On peut pas remonter? On peut pas remonter, t'es sérieux? Oh non! À chaque fois je me la prends. Comment on fait si on veut pas remonter? Là pour le coup c'est un peu hard. Sur la carte. Ouais, je suis dans la zone du monstre, je me demande quand même si je peux pas aller un peu plus loin. On va essayer de remonter. Ah oui, non, d'accord, on est parti beaucoup trop loin. J'ai quand même envie. Il y a des lampes de mort là. Semble-t-il un autre monstre? Peut-être qu'il y a du heal par ici. Ouais, il y a du heal droit devant. Ah, parfait, c'est ça que je voulais. Comme ça, on va pouvoir retourner buter l'autre. Il y a une boutique juste devant, mais on a pas beaucoup de pognon. Je sais pas comment je fais pour retourner sur l'île aussi. Comment on fait pour la buter elle? Ah, faut la faire foncer contre les pics là. Ok. Oh merde, t'as un heal un peu plus loin. Oh, ouais, j'ai vu ça. Merci Meme. Bon bah encore un monstre de buté, on va retourner au heal. On va revenir sur l'ancien monstre. Mais c'est bien, ça alterne pas mal les phases de jeu bourrine et un peu plus hardcore.
Non, non, non. Non. Alors par contre, pour remonter là, je veux bien, mais... Ouais, et je spawn en bas, je suppose. Oh putain. Alors là, on n'est pas sorti de l'auberge, les amis. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, là par contre les déplacements sont un peu hard là. Ah non mec, en fait de temps en temps il me rebondit contre la bordure et tu sais pas pourquoi. Qu'est-ce quoi le pattern de ce putain de truc? Non, je vais devenir fou. On peut pas revenir dans un ancien checkpoint. Ouais, il faut que je me heal, t'as raison. Oh, parce que je me fais one shot. Ok, étudions les patterns de ces trucs. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et mec, il va me rendre fou, hein, je te jure. Ok, là on est bon normalement. Elle est où mamie là? Ok, c'est là. Je vais pas prendre feu, mais on l'a fait quelques dégâts. Putain! Ok, c'est pas mal. Non. C'est la carte que je veux. Ok, on a dégommé ça. Là on n'était pas allé hein. Mais on peut pas remonter. Faire une ellipse. Ah, quand ça commence à te dire un peu hardcore. On a pas assez de pognon, les gars. Je les ai tués, je sais pas comment. Yeah! Tout ce qui compte, c'est que je l'ai buté. Et on a ouvert la porte. 21? Bah, ce il est. Je sais pas comment on fait pour revenir à. Oui, à Lille, ce que je voulais demander tout à l'heure. Parce que j'aimerais bien retourner à Lille, j'ai des esclaves à placer. C'est après, c'est à chaque fin de niveau qu'on peut choisir. Ah.
c'est pas là que je voulais aller. C'est Rebel. C'est le kebab masculin. Une flèche par ici. Ah attendez. Non, je peux pas passer. Ok, la flèche passe pas. Merde, j'ai pas vu ça. Wouah! Je crois que je m'allais me la prendre. Il retourne à plus de vie. Ah! Ça fait bizarre parce qu'elle passe devant l'écran, donc on croit qu'on va se la prendre sur le chemin, mais en fait non. Ah oui, alors là par contre, oui, c'était un peu court. C'est pas avoir ouvert les portes de la sagesse. Je suis mort! Comment on fait pour le péter? Ah, il y a la caisse là. Ouais, il faut la casser, ok. Ok, ok. Et on peut lui faire tomber une caisse dessus, c'est comme ça qu'on va l'exploser, je pense. Allez, juste là, la caisse. What? J'ai pris quoi comme dégâts dans les prises? C'est ça que je voulais. Non! 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 Putain, ça, c'est assez difficile parce que ça tire tellement vite. C'est ça que je voulais péter, oui! Aïe! Non, j'étais presque. J'étais presque. Laisse le fric, tu pourras prendre le canon et les récupérer une fois qu'il sera mort. Ah, je sais. Mais il faut d'abord que je le bute. Quand tu retournes sur l'île, tu recommences le niveau. Ok, donc c'est à la fin de chaque niveau. Alors par contre, je sais pas pourquoi je veux reprendre des dégâts en retombée. Lui, il a l'air méchant en dessous. Je veux le fric quand même. Ouh, il était bien placé celui-là. Ah voilà, après, bon. Faut que je passe de ce côté-là parce que c'est trop la mort ça.
Ah, je vais récupérer ce fric. On va l'exploser apparemment. Dénichez-le. Yeah! On l'a trouvé! Ouais, elle était un peu difficile cette phase. C'est pas grave, on a pu. Oh! Oh! Un petit T-Rex! Les dents de la mer, le retour. Bah, il reste pas grand chose. On peut tout péter. En profiter. Ok, on a tout pété. Là, il y a du fric ici. On a 2000 de cash du coup, si je retourne, je sais plus où elle est d'ailleurs. Ah merde, ça va bloquer. Ah si, je la pousse là. Ah non, ça va pas le faire. Encore plus que ça, maintenant. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a tout en bas? Oh, ça m'a l'air bien. Ça va ouvrir la valve. Qu'on doit aller buter Poulpi. Labyrinthe le truc. Sauf qu'il y a des mines. J'ai vu une caisse là-haut. Je sais pas s'il faut jouer avec les caisses ou pas. C'est un labyrinthe de caisses le truc, j'ai l'impression. Allez! C'est par là. Non, ça là sert à rien. Ok, on va redescendre. Pas plus passer par là. C'est bien celle-là qu'il faut bouger, on va la faire tomber sur le smoothie là. Ok,
Quel labyrinthe doit s'arrêter tout de suite? Celui-ci. Parfait. Ah bah voilà. Je pense qu'il est mort. Ah, ça y est, on accède au boss. Bon bah cool. On va pouvoir le faire. Ouais, j'ai plus de monstres sur mon radar. C'est pour y aller. On peut peut-être y revenir plus tard en fait, quand on aura notre notre truc amélioré. Ah, 24 sur 58, ok MDR. Donc en fait après tu peux revenir dans ces niveaux là. Ok, il a l'air méchant. Kayas. Qu'on le fasse tomber sur les côtés. What the fuck? Ok. S'en prend une. Eh mais c'est chaud hein. Voilà, on fait juste ça. Ah bah cool. Merci, le retour du jetpack. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ça a l'air beaucoup costaud. Ok. Gros level. Par contre, du coup, je... Ouais, je recommence là. Ah ouais, mais je recommence là avec plus de vie. Oh, si ça, c'est de l'arnaque. Ah si. Je pense qu'il faut que je fasse tomber là-dessus. Ah, on le bousille. Mais non! Ah, est-ce qu'on recommence? Ah, on recommence du début, putain. Ok. Alors, surtout pas prendre de dégâts dans les phases du début. Ok. C'est bon, on est passé à travers. Faut juste attendre d'être chargé en missile et c'est bon. La musique est sympa. Si je l'ai touché.
Alors cette phase là qui est un peu chaude. Ouais, merci. Mort. J'esquive ma gueule. Est-ce que je lui ai fait des dégâts au moins? Ouais, ouais. Ah, il a pas pris la dernière. Il l'a pas pris! Mec, t'es mort! Ah non, non, non! Bon bah voilà! On a battu le boss! Bon, du coup, on va pouvoir retourner. Ah! Toujours pas de photo, quelle surprise! On est à peine à mi-chemin. Là-bas la suite, non? Ah bah oui, il a amélioré notre jetpack. Oh, ok, c'est une nouvelle map. Mais par contre, on peut pas retourner à... Je suis un peu déçu, je dois retourner à Lille. C'est pas ici qu'on peut, apparemment. Oh, du pognon. S'il vous plaît, comment on fait pour remonter là? Oh, ok. Bon les gars, on va repartir sur une pause. On va rester là pour Hellier, je pense. On reprendra une autre fois. C'est bien sympa en tout cas. Ah, parce que là je passe au niveau suivant. Mais je sais pas comment faire pour aller dans l'île en fait. J'aimerais bien aller dans l'île. Bon, je cassais des culs. Ouais, on mine ça maintenant. Là, il y a Cléopatra. C'est un boss le truc. T'es sérieux? On peut se suicider. Allez les gars, on part en pause. Et on va voir ce qu'on fait après. A tout de suite les amis.